לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, שמור וזכור בדי. On voit que la emuna d'Avraham Avinu, il est arrivé à un tel niveau que faut comprendre que toute cette inyan de Akeda et toute l'action de Akeda, que Akadosh Baruch Hu, il a dit Ata yadati ki yareh Elokim ata, et c'est justement après l'action de Akeda, pas avant. Ça veut dire que l'inyan de Yirat Elokim, ça veut dire que quand on dit à quelqu'un Yare Elohim, c'est vraiment quelqu'un qu'il est arrivé à une connaissance intègre, entière avec Hachem. Il ne lui manque rien du tout. Ça veut dire qu'il faut comprendre que ce monde, c'est un monde d'Asiya. C'est un monde que pour atteindre quelque chose, ce n'est pas que tu restes à la plage comme ça, tranquille, et tu vas comprendre des choses. Deux personnes peuvent s'asseoir et étudier une chose. Un, elle comprend et cette étude va l'amener à Har Sinai. L'autre, il va avoir une récompense et ça va, il a compris quelque chose. C'est quoi la différence entre celui-là qui est à Har Sinai et celui-là qui est resté comme ça? C'est l'investissement. Il faut comprendre qu'il y a un investissement qu'elle donne des nouvelles compréhensions à tel point que l'homme il sent qu'il est, il peut voler complètement. Mais il y a une meseroute nefesh dans les investissements que ça s'appelle un don de soi, que l'homme va jusqu'au bout avec sa crainte du ciel, avec sa emuna, avec l'ordre. On voit chez Avraham Avinu qu'il est arrivé à une emuna tellement forte, tellement grande, que pour lui, il a compris que deux opposés, comme dans l'homme, il y a un corps et un âme, ça veut dire l'âme, elle est spirituelle, elle veut que la Torah et la proximité avec Hachem, et le corps, c'est complètement opposé. Le corps, il veut cette menti, le manger, le dormir, le plaisir de cette menti. Et ces deux opposés vivent en chrenout, comme on dit, en voisinage, 120 ans, dans les mêmes personnes. Et tout cet combat, c'est que la neshama, elle contrôle les corps, que les corps soient un serviteur pour la neshama. C'est un grand travail. Mais comprendre que à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il m'a dit, Beitzrak Ikare Lechazera, ça veut dire. Il a dit à Avraham Avinu, Yitzhak, ça va être une descendance. Et le lendemain, il lui dit, allez ou leola, ça veut dire, quelque part, il faut que tu vas l'égorger. Donc, si tu vas l'égorger, il n'y aura pas les descendances qu'il va sortir d'Yitzhak, que je t'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que c'est deux opposés. Avraham Avinu, il a compris une seule chose, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est unique. Ce qu'il vient d'Hachem, c'est unique. Si je vois, moi, une contradiction dans sa manière, c'est moi qui vois les choses. Et parce que l'homme, il est limité dans ce monde. L'homme, il arrive dans ce monde pour 70, 120 ans. Il veut comprendre tout. Mais pour comprendre tout, tu dois vivre au moins, minimum 1000 ans. Ça veut dire vivre en réincarnation au moins 10 fois. ou sept fois, ou huit fois, pour comprendre celui-là qu'il souffre aujourd'hui, comment il était il y a 9 incarnations, ou 7 incarnations. Et pourquoi ça, c'est comme ça. L'homme, il vient dans ce monde, il veut tout comprendre. Il a plein de kitrugim sur Hachem, plein de questions, il n'est pas d'accord, et oui, d'accord. Il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il est unique, il est droit, il est en égalité. Si il y a quelque chose que nous, on comprend, on croit que c'est une opposé aux contradictions, c'est dans notre manière qu'on n'a pas la capacité de comprendre Hachem. Quand Kadosh Baruch Hu dit Avraham Avinu Ata Yadati, ça veut dire que beaucoup de fois on parle, on aime Amin, on aime Hachem, on aime un tel, on veut faire quelque chose, mais entre là, les paroles et l'action, c'est le ciel et la terre. Ça veut dire que quand Hachem il lui dit Ata, maintenant, je vois que
ce qu'il existe en toi, Bakoach, ce qu'il était existé au potentiel, il vient en action. Et l'action, ça définit ce que tu as vraiment dans le potentiel. C'est pour ça que tu avais des nisyonot avant. Avraham Avinu, il y avait des nisyonot avant. Mais toutes les autres nisyonot, on a pu comprendre avec la hakira, avec la logique. Si on fouille, si on analyse, si on va commencer à comprendre, on va trouver logiquement, ok, c'est normal qu'il a fait. Mais le dixième, c'était les nisayon les plus grands. Pourquoi? Ce que tu ne peux pas comprendre avec aucune logique ni connaissance. C'était quel émouna. Les Zohar, il dit, deux fois Avraham, comme une afsaka entre Avraham et l'Avraham. Ça veut dire que le premier Avraham, avant l'Akeda, avant qu'il a fait cette nisayon d'amener son fils à l'égorger, c'était une Avraham dans le corps, dans le potentiel. Avraham, après l'Akeda, c'est l'Avraham qui a Kadosh Baruch Hu, il lui dit, maintenant je sais, je signe. Maintenant, je vois que vraiment, ce qu'il y a dans les forces, il y a, ce qu'il y a dans le potentiel, il existe vraiment dans les masses. Ça veut dire que, comme il y a l'homme, comme il y a nous, on doit travailler notre émouna. Toute l'histoire de l'homme dans ce monde, c'est développer la émouna. Ce que tu crois aujourd'hui, il faut que demain, ça soit une yédia, que ça soit une connaissance. Et comme je te dis, tu connais cet appareil, elle est bien. Tu me dis, écoute, je crois qu'elle est bien. J'ai utilisé une fois ou deux. Mais maintenant, on te dit, demain, tiens, tu vas le vendre. Il faut que tu vas être spécial. Ça veut dire que je te dis, elle est bien, tu dois être sûr qu'elle est bien. Après que tu as examiné une fois, deux fois, trois fois, tu dis, je te peux te garantir qu'elle est bien. Je la connais de A à Z. Ça veut dire ce qu'il était il y a cinq minutes, une croyance devenue une connaissance. Notre émouna b'Hashem doit être une connaissance. C'est pour ça Chachamim il dit, ve'yadata hayom ve'shevot ha'levavecha k'Hashem ou Elokim. C'est là qu'Hashem il attend de chacun de nous. Que quand tu parles d'Hashem, c'est quelque chose que tu as une certitude que lui, il est là, il sera là. Il était toujours là, il sera toujours là avec toi. Asa, osé, veyase, il a fait, il fera pour toi. C'est ça, et emouna b'Hashem. C'est pas quand j'ai quelque chose, c'est avec ma logique, ou ça m'arrange, ou je comprends, tout va bien. Et dès qu'il y a une petite chose que je comprends pas, je laisse tout et j'arrête le jeu. Ça veut dire que quand tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il est tov et metiv, il veut que ton bien. Tu montes et tu descends, tu vas à droite, à gauche, tu dois comprendre qu'on te réveille même à 4 heures du matin, tu dois savoir qu'Hachem veut que ton bien. Que toi, tu es au milieu des chemins, ou tu n'as rien compris, ou tu n'as pas assez les assez d'essentiels, des ustensiles pour comprendre ce qu'Hachem il fait, c'est ton problème à toi. Mais qu'Hachem veut que du bien pour toi, ça, c'est quelque chose que tu dois aller à étudier, à chercher, à connaître ces dieux. En ray yored mi lemala, le mal vient jamais de là-haut. Ça veut dire que si j'ai une contradiction dans la manière que je ne comprends pas comment Hachem fait les choses, c'est que moi, il me manque de connaissances, égale étude, égale recherche. Et c'est là qu'Avraham Avinu, il avait une émouna tmima. Il avait convaincu. C'est Dieu qu'il me dit, Yitzhak Ikare le Chazera. C'est Dieu qu'il m'a promis que Yitzhak va être mon descendant. C'est lui qu'il me dit que je prends, j'ai les gorges. Je ne pose pas de questions. Maintenant, il a pu poser des questions. Mais s'il aurait posé des questions, c'est comme si il a mal réalisé son ordre. Mais si je viens, je suis. Et convaincu, je suis, dans ma tête, c'est clair pour moi que l'eau froide et l'eau chaude, ça sort de la même robinet, j'ai pas de problème. Ça veut dire que je dois me renforcer que Hachem ou Elohim. C'est pour ça que Chachamim, il te dit, Veyadata ayom, Veshevota elevavecha, Veyadata, c'est une connaissance. Et Shevota, ramène ça dans ton cœur. C'est pas la peine de parler de beaucoup. Il faut que tu vis la chose. Ce qu'on a dit, c'est
connaissance, tu l'intègres dans ton cœur, qu'Hachem Olay, O Elohim, c'est Akadosh Baruch Hu, il est derrière tout dans ce monde. Il est derrière celui-là qu'il te dit, Bitzrak Ikare le Chazera, il est derrière celui-là qu'il te dit, Ale Ola Ola. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, שמור וזכור בדיבור אחד, ישמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה, לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה. מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה, מקדש מלך עיר מלוכה, תור נמצאים מתוך אף אחד, רב לך שבא